Deux Françaises passent leurs vacances en Roumanie. Elles viennent de se rencontrer dans la rue à Bucarest. Alors, c'est décidé, vous partez ce soir, madame? Bien sûr, mon mari a acheté les tickets pour le train de 9h45. Quand est-ce que vous serez à Pietrenemt? Nous y serons demain à 6h, si le train n'a pas de retard. Et vous serez de retour la fin de la semaine, n'est-ce pas? Oh non! Nous visiterons le nord de la Moldavie, la ville de Iași, et après nous descendrons dans le sud. Vous n'irez pas dans le delta? Mais si, les enfants ont déjà préparé leur ligne. Mon mari ira à la chasse chaque jour, mes enfants à la pêche. Je pense que votre mari est un bon chasseur. Il n'est pas un excellent tireur, il a surtout un bon fusil. Vous savez, mon mari chasse aussi, mais il lui arrive assez souvent d'acheter son gibier chez le marchand. Il n'est pas exclu que mon mari en fasse autant. De toute façon, notre voyage dans le delta du Danube sera tout aussi instructif et agréable que celui que nous avons fait l'année passée. Je l'espère bien. Moi, je n'oublierai jamais ce labyrinthe de canaux, cette forêt de saules et de roseaux, et les lits flottants de joncs. J'ai vu bien d'autres paysages charmants, mais ceux-là sont vraiment sorcelants. Un Roumain, un ami à nous, nous a conseillé il y a quelques jours de parcourir en bateau le labyrinthe de canaux de Delta. Moi, tu, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Toi, homme intelligent, comment as-tu pu faire cela? Lui, lecteur passionné, était devenu enragé. Moi, malade, jamais de la vie. Vous qui parlez, qui êtes-vous? Je n'ai pas de veine. Moi qui espérais qu'il était couché. C'est qui? Ce sont qui? C'est moi qui vous ai tout appris. Je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Toi qui m'écoutes, me comprends-tu? C'est moi qui ai dit cela. Eux le sentaient vaguement, lui plus nettement. Eux déclarent la vérité. Elle ne souffle mot. Moi, je vous ai fort bien compris sur ce point. Je vais avouer tout de suite où ils se cachent, eux. Qui a dit ça? Vous. Tu l'as déjà dit. Moi, quand ça? Ta mère et toi, vous pouvez le savoir. Ni lui ni moi ne pensions à cela. Moi, tenir de propos injurieux? Lui partit. Que va-t-elle devenir? Seule, même aussi. S'il le faut, allez le chercher vous-même. Moi aussi, maintenant, j'ai froid. Enragé, malade, espéré, appris, entendre, avouer, sentir. Dire, souffler, cacher, pouvoir, savoir, tenir, devenir, chercher, seul, même, aussi, j'ai froid, quand. Si vous vous trompez de numéro, la personne qui vous répond doit vous dire poliment. Vous vous êtes trompé, monsieur. Vous vous êtes trompé, madame. C'est un faux numéro, mademoiselle. Vous avez mal formé le numéro, monsieur. Soyez poli et excusez-vous. Excusez-moi, madame. Veuillez m'excuser, monsieur. Excusez-moi de vous avoir dérangé. J'ai dû me tromper de numéro, madame. Renseignez-vous. Si vous n'avez pas le bon numéro, renseignez-vous dans l'annuaire téléphonique. Demandez par votre Minitel ou appelez le service de renseignement.
vous demander poliment. J'aimerais savoir le numéro de X. Je voudrais téléphoner à la bibliothèque municipale, s'il vous plaît. Pourriez-vous me donner le numéro de Monsieur Untel, s'il vous plaît? Pensez à donner l'adresse approximative du correspondant que vous voulez joindre. Ça ira plus vite. Tu lui parles. Tu ne lui parles pas. Lui parles-tu? Ne lui parles-tu pas? Il nous a parlé. Il ne nous a parlé. Nous a-t-il parlé? Ne nous a-t-il parlé? Nous le regardons. Nous ne le regardons pas. Le regardons-nous? Ne le regardons-nous pas? Est-ce que tu lui parles? Est-ce qu'il ne l'a pas vu? Prends ces fleurs et offre-les à ta sœur. Montrez-lui vos lunettes fumées. Faites-moi ce plaisir et attends-moi devant la piscine. Lave-toi les mains, cache-toi derrière cet arbre. Cherche-les. Je ne le cherche plus. Regarde-les. Ne le regarde pas. Attends-moi. Ne m'attends plus. Regardez ces fleurs, je vous les offre. Il a acheté un bon manteau et il me l'a montré. La valise, je te la rendrai demain. Est-ce que vous êtes content de votre voyage en Roumanie? Extrêmement content, madame. J'y ai passé des jours inoubliables. Moi, j'ai aussi l'intention d'y aller cet été. C'est une bonne idée. Il y a tant de belles choses à voir en Roumanie. Il y a aussi des belles plages, n'est-ce pas? Oui, madame. Il y a tout un collier de stations maritimes qui s'égrènent depuis Mamaya, la perle de la mer Noire, jusqu'à Mangalia, en passant par la station des Fauriers et la ville de Constanza. Et à tout cela, ajoutez, madame, cette tradition d'hospitalité qui est l'un des traits les plus attachants de ce peuple. Ils ne nous l'ont pas apporté. Nous l'ont-ils apporté? Ne nous l'ont-ils pas apporté? Il avait besoin de ce dictionnaire. Je le lui ai prêté. Notre nouvelle maison, nous la leur montrons. Les valises, maman les lui prépare avec soin. Vous la leur offrez. Vous ne la leur offrez pas. La leur offrez-vous? Ne la leur offrez-vous pas? Tu le lui as offert. Tu ne le lui as pas offert. Le lui as-tu offert? Ne le lui as-tu pas offert? Rares sont les téléphones publics en France qui fonctionnent avec des pièces. Ne les cherchez donc pas. À la poste ou dans les bureaux de tabac, achetez-vous plutôt des télécartes. Le téléphone à carte vous indique à l'écran. Décrochez s'il vous plaît. Introduisez la carte. Patientez s'il vous plaît. Formez le numéro. Ou si le poste que vous appelez ne répond pas, il vous dit « Par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir. » Allô? Allô? Bonjour madame, est-ce que je suis bien chez monsieur et madame Martin? Oui monsieur. Je voudrais parler à Nicole si possible, de la part de Joël Petit. Elle n'est pas là monsieur, rappelez dans une heure, elle sera de retour. Merci madame, je rappellerai vers 7 heures, au revoir. Au revoir monsieur. Offrez-le-moi. Ne me l'offrez pas. Offrez-la lui.
ne la lui offrez pas. Montrez-la leur. Je veux la voir. Je ne peux pas la voir. Tu vas me le dire. Tu ne vas pas me le dire. Tu ne vas pas me le dire. Nous ne venons lui pas donner. Après l'avoir vu. Ne venons-nous pas lui donner? Laisser, faire, envoyer, ou voir. Entendre, sentir. Je l'ai entendu chanter. Je l'ai fait venir. Nous l'avons envoyé faire des emplettes. Il le fit entrer. En le voyant, il se mit à rire. En me le disant, tu m'auras un grand service. C'est un bel arbre. Je l'ai planté la dernière année. C'est mon nouvel ami français. Je lui prévus une longue amitié. C'est une vieille dame. Je l'accompagne partout dans ses jours. Ma sœur pense que cet acteur est très beau. Elle pense à lui presque toute la journée. Georges et Yves sont de vieux étudiants. Hubert leur dit qu'ils vont parler bien français. Ce vieil appartement n'est pas cher. Je veux te l'acheter. Penser. Prévoir. L'amitié. Vieille. Presque. Dernière année. Envoyer. Emplette. Allô, c'est toi, Alain? Oui, c'est moi, Victor. Comment ça va? Merci, mon vieux. Écoute, est-ce que tu vas encore au stade cet après-midi? Non, je n'y vais pas. Dis donc si on allait faire un tour dans les grands magasins. Je voudrais voir les nouveaux appareils de télévision et de radio. Je t'accompagne avec plaisir. Tu connais ma passion pour l'électronique. À quelle heure veux-tu qu'on se rencontre? À 6 heures devant le grand magasin du boulevard, ça te va? À 6 heures, Alain et Victor sont déjà dans le magasin. Ces appareils combines sont très chers. Il me semble qu'on les vend à tempérament. Moi, je voudrais acheter un poste de télévision. Tu as raison, le petit écran est en vogue. Oui, les images sont bonnes et le son est excellent. Voilà un grand appareil, mais il doit être cher. S'adressant au vendeur. Ce poste de télévision, combien s'il vous plaît? 500 lei, monsieur, et on accorde des facilités de paiement. Combien de mensualités? Vous pouvez payer 30% à la livraison et le reste en 12 mois. C'est un excellent appareil. Vous allez bientôt voir l'image. Regardez. Oui, je trouve aussi que l'image est nette. Et quant au son... Barbecue. Commerçant. Quartier. Passer une commande. Crémier. Boucher. Ainsi de suite. Simple. Au dernier moment. Marchand. Il y en a qui? Marchandise. Il est souhaitable. Il est possible. Il se peut. Il est certain. Il est douteux. Nul doute. Il vaut mieux. Ce serait bien. Crudité. Moyen. Aller chercher du pain.